Il est 19h15, soyez les bienvenus dans votre club house, l'émission 100% Girondins de Bordeaux, 100% Marine et Blanc. Nous sommes ensemble pour 45 minutes d'informations sur votre club préféré avec un sommaire très chargé. Voyez vous-même, dans quelques instants, nous allons revenir sur la dernière rencontre de Ligue 1, les temps forts, analyse, décryptage en compagnie de Marius Trésor, Florian Marange qui était sur le terrain en Bourgogne en lieu et place de Benoît Tréboulinas nous dira comment ça s'est passé. Enfin, mesdames et messieurs, monsieur Alou Diarra, capitaine des Girondins de Bordeaux, capitaine de la sélection tricolore, sera aussi sur ce plateau pour nous dire dans quel état d'esprit il est et comment se déroule cette partie de saison bordelaise plutôt favorable. Les Bordelais qui sont, je vous le rappelle, actuellement 7e avec 14 points dans une série qui est plutôt très positive. Voilà, comme tous les mardis, on revient sur la rencontre du week-end précédent. En l'occurrence, c'était la GIA face à Bordeaux. La belle victoire des Girondins de Bordeaux qui leur permet de faire un petit bond au classement. Un petit bond, un bond appréciable quand même, de 3 places, de la 10e à la 7e place avec 14 points. Pour revenir sur cette rencontre, Marius Trésor nous a rejoint. Bonjour Marius. Bonjour Emmanuel, un petit coucou à nos abonnés. Des choses intéressantes et des choses un petit peu plus délicates dans cette rencontre. Une rencontre aux deux visages avec une première période très séduisante et une seconde beaucoup plus compliquée. Oui. C'est un peu ça l'idée. C'est vrai que Bordeaux a mis pendant 45 minutes cette équipe aux Serroises en difficulté. On sentait une équipe sûre de son football. Peut-être aussi que les joueurs d'Auxerre avaient en tête en même temps le match de Ligue des Champions qu'ils doivent jouer ce soir à l'Ajax. Et finalement, on a vu une très belle prestation des Girondins pendant les 45 premières minutes. Par contre, après, ça s'est un peu moins bien passé. On a senti l'équipe ayant du mal, on a vu des joueurs ayant du mal à se trouver sur le terrain. Et je dirais aussi que cette équipe d'Auxerre, voyant que Bordeaux n'était plus la même équipe que celle de la première période, a cru en leur chance. Heureusement, encore une fois, que la défense a été solide. La défense a été solide et il y a eu aussi un super Cédric Carasso, comme depuis le début de la saison. Je vous propose, Marius, je vous propose, chers amis abonnés, de revenir sur les temps forts de cette rencontre. Nous sommes en première période. Ça commence pas mal pour les Girondins de Bordeaux. Nous sommes à la 18e minute. Ça va être l'action, une action de but. Elle est signée Yaroslav Plazil, tout d'abord. Et dans la foulée, l'ouverture du score par Anthony Modeste. Là, c'est Geraldo Vendel, bien évidemment. La frappe de Yaroslav Plazil, magnifiquement détourné par Olivier Sorin. Par Olivier Sorin, qu'on a eu du mal à reconnaître. C'est parce vrai. qu'il s'est coupé les cheveux, alors que d'habitude, il est un peu comme Yaroslav avec le bandeau pour retenir ses cheveux. Et très belle frappe de l'international tchèque. Pied gauche. Et encore une fois, belle intervention du portier auxerrois. Dans la foulée, le corner, donc concédé par les Bourguignons. Yaroslav Plazil, une fois encore. Très bien tiré. Et Anthony Modeste qui coupe la trajectoire du ballon pour ouvrir le score pour les Girondins. Et en même temps, Yaroslav devient le meilleur passeur du championnat avec 4 passes décisives. C'est pas mal. 4 passes décisives pour Yaroslav Plazil. 4 buts pour Anthony Modeste, dont 1 en Coupe de la Ligue. C'est pas mal aussi pour le jeune attaquant bordelais. Dont 3 de la tête. Dont 3 de la tête. Ah ouais, là, c'est super bien joué. En plus, parfois, le gardien, il met un joueur au poteau. On se demande à quoi il sert. Alors que c'était Chafny, il peut sortir et couper, voyant arriver le ballon et écarter le danger. Malheureusement, il reste au poteau. Et tant mieux pour Bordeaux. C'est bien pour les Girondins de Bordeaux qui reprennent une de leurs armes favorites, les coups de pied arrêtés. Ça dépanne toujours, ça sert. Oui, ça sert, mais moi, comme je dis toujours, bon, j'entends toujours les spécialistes dire « Ah, mais l'équipe ne marque que sur coups de pied arrêtés ». Mais jusqu'à nouvel ordre, les coups de pied arrêtés font partie du football.